Salut camarades, salut les gens, comment est-ce que ça va ce soir? Allez, on se fait plaisir et on retourne sur Siberia 3 où on a bien avancé hier. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas été là hier jusqu'à la fin, oh oui. Et ça, oui, le son est un peu trop fort. Je rebaisse. Non, là, j'ai trop baissé. Alors, pour ceux... Attendez. Non, c'est bon. Alors, il y avait un problème, j'avais du son que dans un écouteur. Sur un casque sur loup. Bref, bon, pour revenir à ceux qui n'étaient pas là hier, donc on a réussi à remettre le cristal en route. On a réussi à récupérer Kort, le chef spirituel des Yukol, qui s'est vu installer sa prothèse de jambe par Steiner. Mais ça a été un peu plus compliqué, puisqu'en fait l'hôpital a été pris d'assaut par des miliciens fort peu sympathiques qui ne voulaient pas que Kurt ni moi, Kate Walker, nous repartions. Donc ça a été un peu épique parce que du coup ils ont cassé la gueule à Steiner, hein, parce que c'est bien connu, les miliciens quand ils font casser la gueule à des vieux, ils sont toujours là. Et malgré ça, on a réussi à leur échapper et à regagner le bateau. Au passage, Steiner nous a quand même révélé que le cœur d'Oscar qui nous restait, il est extrêmement fonctionnel et que si on retrouve une enveloppe corporelle, on pourrait peut-être récupérer Oscar. Donc, on espère pouvoir récupérer Oscar à un moment ou à un autre. Donc, sur ce, on a réussi à prendre le bateau. Et la traversée a été mouvementée puisque on a bien été attaqué par un monstre marin qui n'est rien d'autre qu'un calamar géant. Et pour lui échapper, notre capitaine Obo s'est sacrifié dans une barque. Donc voilà. Résultat, on a pris cher dans notre tronche et le navire s'est échoué aux portes de Baranour. Ce fameux Baranour dont tout le monde nous parle et tout le monde semble craindre. Et il y a des raisons, puisque à Baranour, c'est simple, un réacteur nucléaire a explosé. Alors, s'il avait explosé, je pense que Valsambor et tout le reste n'existeraient plus. Donc, je pense que c'est une espèce de Tchernobyl-like, ce qui fait que tout le parc est probablement radioactif. Donc, voilà, donc avec nos Yukol, on est coincé sur le bateau échoué aux portes de Baranour. Ah, j'ai pas coupé le téléphone, excusez-moi. Je rétablis ça. Et voilà. Comme ça. C'est parfait. Donc on va pouvoir repartir. Mais avant, deux, trois petites infos. Alors, la chouette des Laberelles évolue un petit peu. Et il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, si on arrive jusqu'à la fin des temps, les streams de la Chouette et la Belle-Reine vont être dispo ad vitam aeternam, puisque nous avons désormais une chaîne YouTube. Donc, cette chaîne YouTube, je ne sais pas si Salina CP pourra la faire passer dans le chat, mais sachez qu'elle s'appelle tout simplement Roulement de tambour, la Chouette et la Belle-Reine. Voilà. Donc vous retrouverez à l'intégralité le Let's Play de Siberia 2, le Let's Play de Abyss, The Wrath of Eden, également Call of the Sea, qu'on a fini hier ou avant-hier, je sais plus. Peut-être hier, bref. On a fini Call of the Sea. Bien sûr, vous aurez l'intégralité du Let's Play de Siberia 3 quand on aura fini, mais les premiers épisodes sont dispo. Le premier épisode de The Order 1886 par la Chouette est également disponible. Et comme on a testé Even cet après-midi, ben, le replay sera dispo probablement demain.
Donc voilà pour la grande nouvelle du soir, la chaîne YouTube, la chouette et la blairelle. Bon, sur ce, je pense qu'on a pas mal causé et que vous en avez ras-le-bol. On y va. Et en plus, si vous regardez replay sur YouTube, bah, l'annonce... Et moi, j'ai déjà soif. Allez hop, c'est parti. Après le sacrifice d'Oscar. Ah, ça nous ramène là. Donc, Miss Catwalk va mieux? Oui, je crois. On est arrivé à Naodotsk? Miss Catwalk devrait aller parler Kirk. Lui, à l'avant du bateau. Alors oui, vous m'avez dit aussi la dernière fois que le la vidéo était super sombre et en effet en regardant les replays, il y a des passages, c'est ultra méga sombre. Ce qui n'est pas le cas moi de mon écran. Kirk, qu'est-ce qui se passe? Baranour Park. Ce qui n'est pas le cas de mon écran étant donné que j'ai vérifié, la luminosité est au max. Donc je vais voir ce que je peux faire. Baranour? Mais... À cause de l'attaque du monstre, nous avons dérivé, puis nous nous sommes échoués ici. Ça, signe des esprits. Eux veulent que Caravan New Call suive le chemin sacré de toujours. Transhumance doit continuer. Esprit montrer la bonne route. Avant même de penser à reprendre la route, il faut trouver le moyen de déterminer le niveau de radiation aux alentours. Si nous nous exposons inconsidérément, personne ne verra la fin du voyage, je le crains. Ce n'est pas le seul problème, Kate Walker. Nous nous sommes échoués face à la plage. Les autruches sont coincées dans la cale. Il faudrait avancer le cristal pour pouvoir ouvrir les portes. On s'en occupera dès que j'aurai trouvé le moyen de mesurer la radioactivité de cet endroit. D'ici là, surtout, que personne ne quitte le cristal. Alors... Option. Jeu. Je peux pas mettre en... attendez, on va aller au menu principal. Je vais regarder par rapport au menu principal. Option, non. Bah, je peux pas mettre l'écran plus clair, je suis désolée. Hein. Donc on va reprendre, on va repasser les blabla là, du coup, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a, Roux? Pourquoi il pleure? Donc, Miss Catwalk va mieux? Oui, je crois. On est arrivé à Naodotsk? Miss Catwalk devrait aller parler Kirk. Lui, à l'avant du bateau. C'est vrai que l'écran, il est vachement sombre. Je vois là, en comparaison, c'est bizarre quand même. Je sais pas d'où ça vient. Kirk, qu'est-ce qui se passe? Baranour, toute cette zone est dangereusement irradiée, Kirk. Il faut partir d'ici tout de suite. Ce n'est pas possible, Kate Walker. Ça, signe des esprits. Eux veulent que Caravan New Call suive le chemin sacré de toujours. Transhumance doit continuer. Esprit montrer la bonne route. Ils s'en foutent, les esprits, ils prennent pas les radiations. Avant même de penser à reprendre la route, il faut trouver le moyen de déterminer le niveau de radiation aux alentours. Si nous nous exposons inconsidérément, personne ne verra la fin du voyage, je le crains. Ce n'est pas le seul problème, Kate Walker.
Nous nous sommes échoués face à la plage. Les autruches sont coincées dans la cale. Il faudrait avancer le cristal pour pouvoir ouvrir les portes. On s'en occupera dès que j'aurai trouvé le moyen de mesurer la radioactivité de cet endroit. D'ici là, surtout, que personne ne quitte le cristal. Radio-lunette ? Le niveau de radiation environnant est indiqué ici, mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. Vide. Volonté des esprits a été accomplie. Ouais, ben en attendant, les esprits nous mettent en danger, hein. Ben alors. Dois trouver le moyen de voir les radiations, Kate Walker. Trop dangereux tant que je ne peux pas détecter les radiations. C'est bien, t'es pas complètement con, Kate Walker. Vous l'entendez roucouler, l'autre derrière. Qu'est-ce qu'il a, le roux? Pourquoi il roucoule? Qu'est-ce qu'il a? Là, il y a un super bug. C'est vrai, là, c'est affreusement sombre. C'est fou, hein? Pas du tout où est-ce que je pourrais régler, hein. Non, je voulais remonter. Je suis désolée pour la qualité sombrissime, je sais pas du tout d'où ça vient. Baitra again, Miss Catwalk. J'ai récupéré la clé du cristal, je vais pouvoir en faire quelque chose. La dernière bouteille de notre cher capitaine. Coucou mon petit renard, comment vas-tu? Pas trop dur cette semaine? C'est bientôt la fin. Capitaine. Et ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas en bas, celui-là? Trop dangereux tant que je ne peux pas détecter les radiations. Mais c'est pas vrai, ça! Kurt, rappelle tes bonhommes! C'est pas possible!
Je vais les trucider. Ah, avec un peu de chance, tu les as tous demain, puis après, jeudi, vendredi, t'en auras peut-être moins, hein. Le niveau de radiation environnant est indiqué ici. Mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone... Moi, ça va, tranquille. Du coup, t'as pas... Oula, je peux tourner. Et là. T'as pas été là au début du live, donc je suppose que t'as pas J'ai entendu déjà la... J'ai déjà de cette serrure quelque part. La grande annonce. La Chouette et la Blairelle ont leur chaîne YouTube. Donc, tu pourras retrouver... toutes les vidéos de la Chouette et la Blairelle sur YouTube à partir d'aujourd'hui. C'est pas chouette tout ça? Sans limite de temps, ouais. Alors ces lunettes te permettent de voir les radiations? Faut croire. Et on descend. Ouais, je sais pas si Salina peut faire passer le lien dans le chat. Donc du coup, tu retrouveras pas tous les chats, tous les... Des prises électriques? Qu'est-ce qu'il fait lui là, couillon? Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux! Tu pourras retrouver tous les anciens lives. Je vais pas m'éloigner. Oui, bah t'as rien à faire là quand même. Peu de courant. Mais t'as dû rester sur le bâton, Gronigo. Oh, j'avais pas vu. C'est quoi? C'est des gens morts? Souhait. Pardon. C'est des gens morts ou c'est les automates? Une perche télescopique. C'est glauque quand même, les automates abandonnés sur la plage. Oh. Oscar? C'est idiot. Oscar n'existe plus maintenant, je le sais bien. Et ces automates se ressemblent tous. C'est le modèle d'Oscar quand même. Votre médaillon, le cœur, vous savez, il est en très bon état. Il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ2000. L'essentiel, pour ainsi dire. Vous comprenez, sur ce modèle particulier, le cœur et l'intelligence se mélangent.
Alors, il suffirait de pas grand-chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar. Peut-être que c'est possible. Eh ouais, je vais avoir besoin d'une clé, Vorarlberg. Verrouillé. Ouais, je vais avoir besoin d'une clé, Vorarlberg. Déjà autre chose. XZ2000, le numéro de série d'Oscar. Bon. J'espère qu'on arrivera à trouver une clé pour Alberg. Non, non. Remonte. Remonte, Gouniaf. Mes amis, la porte est ouverte. Je vais dans des endroits au pif, hein. Oh oui, je l'ai fait en tête. Soit en fin d'année dernière, soit en début d'année, mais je me souviens juste que j'ai galéré à Baranour. Ça, je te jure, je me souviens. L'emblème des Vorarlberg. Hans le mettait sur toutes ses inventions. Sûrement pas. Ça ne va pas. Ça, c'est rien avec tout ce que j'ai pu faire avec mon couteau. Baranour Park avec toujours le poulpe. Mes lunettes sont dégueulasses. Je sais pas comment je me débrouille. Je suis comme mon père. Toujours à essuyer ses lunettes avec des tranches de jambon. Pourtant, je touche jamais les verres. Et pourtant, ils sont toujours, tout le temps, dégueulasses. Attendez, là, on peut sortir. Mais j'ai vu qu'il restait un truc à faire par là. Voilà. Un petit rouage. Ça, c'est la sortie. On va sortir de l'autre côté pour voir. Baranour Park, ça vend du rêve. Bah oui, Baranour Park, le parc qui explose tout. Il s'est pris une explosion nucléaire dans la tronche. C'est pour ça que j'ai mes super lunettes de la mort qui tue, c'est parce que pour voir où c'est qu'il y a des possibles radiations. Tu te balades dans le Tchernobyl local? Ouais, c'est ça. Ça va, Donna? Un autre automate délabré? Je dois pouvoir tracter le cristal en l'attachant à ce treuil.
Désolée. Pas de commande de mise en marche. Ben oui, Yannick Lévoralberg. L'automate chargé de piloter ce tracteur doit être connecté à cette broche en forme de clé Vorarlberg pour pouvoir le démarrer. C'est astucieux, mais il me faudrait un automate en état de marche. Bon, c'est peut-être une clé pour le coffre Vorarlberg. De toute façon, là, je pense qu'on peut plus. Oui, il est là le 4, parce que comme les chats, ils sont pas là, j'ai mis le LOL 4. Et oui, là, Donna a vu. Vous n'allez pas pouvoir... Non. Mais... Donna, regarde, il y a des ombres. Il y a peut-être des bouts de pâte. Attendez. Et voilà, j'ai fait peur. Dodo, viens voir. Regarde. Férisette. Dodo, j'interromps mon live pour toi, alors tu viens. Regardez-moi cette dodo qui court après. Coucou Dachox, elle court après les ombres. C'est ma dodo. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un jeu à faire. Puis il y a le LOL 4. Alors oui, à Oscar, oui. Avec un peu de chance, on va réussir à remettre Oscar en marche. Et maintenant, les gens vont voir ça sur YouTube. Ad vitam aeternam maintenant. C'est-à-dire voir le chat en train de jouer avec les ondes. Qu'est-ce qu'il a, bon buon ? Mais oui, on n'entend que toi. Hein ? Et oui, t'es un bon buon. Hein, le bon buon, il est caché là. On voit pas. Non mais lâche ma main. Lâche. J'en ai besoin pour jouer. Alors, le petit coffre. J'ai une petite clé. Ouais, une petite clé Vorarlberg. Des outils Vorarlberg. Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates. On va retourner voir le premier automate. Faut que je lui présente Pepper. Pepper ? J'ai loupé un épisode ou c'est moi qui ai pas de mémoire ? Oups. Cette zone n'est vraiment pas sûre, Kirk. Vous devriez remonter à bord du cristal. Plus tard. Miss Catwalker doit venir. Vite. Qu'est-ce qui se passe encore ? En dessous, Macadam Pourri, c'est chemin sacré de la transhumance. Miss Catwalker doit rapidement faire sortir Autruche pour que Yukol prenne cette route. Écoutez. Je comprends que vous teniez à respecter scrupuleusement le protocole de vos coutumes. Mais faire passer votre caravane par là serait du suicide. Cette avenue est totalement irradiée. Pas de charabia, Miss Catwalker. C'est volonté des esprits. Miss Catwalker a vu ce qui arrive quand Yukol s'oppose aux esprits. Mais... Notre chaman est têtu comme une vieille autruche, Kate Walker. Tu crois qu'il pourrait exister une autre route ? Je ne sais pas. Pour le moment, je me suis surtout concentrée sur la réparation d'un automate pour tracter le cristal. Dès que je le pourrai, je chercherai un autre chemin. D'ici là, restez bien dans les zones sûres et soyez prudents. D'accord ? Oh, ma pauvre Gaëlle ! Mon pauvre petit... C'est dur, hein. Bah, c'est comme l'été dernier, hein, mon... Enfin, en 2019, mon Tarkan qui est parti...
La cata, quoi. Puis bon, on les aime, nos fauves. Chou, vous m'avez emmené où? Comment je ressors, moi? Là-bas. On veut une photo, oui, on veut une photo de l'animal. Tu peux me l'envoyer par SMS si tu veux, comme ça je la transférerai à la frangine au pire des cas. Alors j'espère que vous attendez pas les chats qui se battent derrière dans le carton. Je fais ça, oui. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans nos chats? Sûrement plus de choses, mais on vivrait moins bien. Alors maintenant j'ai une clé Vorarlberg. Hop, on enlève le vieux cœur. On met le tout neuf. J'ai mis dedans. Ok, c'est pas grave si ça met un peu de temps. Je me souviens de ces serrures. Elles permettent d'activer toutes les inventions de Hans. Bon, plus qu'à trouver la clé correspondante. Mais j'en avais une, là, il y a 2 minutes! T'abuses, ma pauvre fille! XZ2000, le numéro de série d'Oscar. Alors, est-ce que j'ai reçu le SMS? Oui. Gaël. Oh, il est mignon. Oh. Non mais grave l'abus, j'en avais une de clé. Bon, on va faire autre chose en attendant. Il est avec Morito, ce grand. Hop là. J'ai une perche télescopique. Rien à faire.
Mais non, c'est pas ça. Et ça va sinon, tes parents, petit renard ? Miss Catwalk, besoin d'aide ? Oui. Pouvez-vous brancher ce câble, Crystal ? Peut-être que comme ça, j'arriverai à remettre du courant dans le parc. Pas problème. Très bien. Merci pour votre aide, Monsieur Borut. Des prises électriques ? Nanouk Metal Papel soit honoré. Le forgeron a parlé. Le bateau, c'est pas de la belle. C'est pas du bel ouvrage. Bon. Retournons dans le parc. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Ils sont contents, ils sont sortis. C'est comme des enfants, hein? Ah, tu m'étonnes, le télétravail, c'est pas pour tout le monde, hein. Je pense que ça lui aussi en a ras-le-bol un peu, hein. Qu'est-ce que c'était? Les Yukol qui font mumuse dans le parc d'attractions. Ils font peur, les compagnons de Voja. Ah, c'est les Yukol, ils sont un peu spé quand même. Le télétravail, c'est pas donné à tout le monde. Je suis encore défoncé le genou, moi, aujourd'hui. Des outils Vorarlberg. Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates. C'est bien ce que je pensais. Pas de clé d'activation. Évidemment, il y a 50 millions de clés, mais pas celles dont j'ai besoin. Hashtag je suis contrariété. Ouais, mais ça, c'est... le genou, c'est à force d'être mal assise dans mon fauteuil. Je suis pas sortie ni hier ni aujourd'hui. Demain, va falloir faire un tour. J'ai de jouer au clavier tellement c'est pourri. Il y a quelque chose là. Une échelle. Quelque chose cloche. Sans électricité, je ne pourrais rien faire. Attends, reviens ici.
pense qu'il n'y a rien par là. Bon, on va retourner au cœur du sujet. Eh non, Sally, ça sera pas toi qui aura... C'est pas un gâteau. T'as pas encore retrouvé ton expéditeur mystérieux. Parc lugubre, mais préfère ça que rester enfermé sur bateau. C'est vrai qu'elle a l'air de marcher avec un balai dans le cul, comme tu disais, Sally. C'est une note. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Un étrange ensemble de dates et de vitesses par mètre par heure. À la plupart naturelles sont encompassées des initiales K et A ainsi que des chiffres 1 et 3. On dirait des grossiers rapports d'essai. Alors, 35 fois 0,6, 35 km/h. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? Rien, j'ai dû oublier quelque chose. Ouais. Je pense effectivement qu'il manque quelque chose. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? Oui ! Oui!
J'arrête au milieu de nulle part. Oui. Cette aiguille doit être reliée au ressort du mécanisme. Ouais, ouais, non, mais ça, j'ai compris. Alors. Je sors d'ici. Donc ça, c'est la voiture numéro 3. Il me semble que... là-bas, en bas, on avait un panneau, allez. Je vais revenir, hein, parce que j'ai des trucs à faire, donc on fera un tour. Et mon autruche, mon autruche, mon autruche. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, il nous dit 15 plus 25. 5, 40, 25. Donc 2, on part d'ici en fait. Attendez, là, il y avait le truc sur les outils. Ça va, dodo? Eh ben, bonne nuit, Sally. Bonne séance de méditation. Prends soin de toi, puis on se dit à demain. Salut. Rien qui ressemble de près ou de loin à une clé d'activation. Ça valait la peine d'essayer. À deux pieds, bisous, bisous. Hop là. Hop, on coupe le chauffage. Hop là. Viens là, dodo. Viens voir la caméra. Non? Non, elle veut faire gratte ou bidon. Bon, on retourne. Si tu veux bien monter, Kate Walker, s'il te plaît. Attends. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Ouais. Ça va, dodo? Ça va, Didine? Bon, faut que je regarde le jeu au lieu d'arrêter de jouer avec mes chats, hein. Atata. Alors, 15 machins, ça fait 40. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Alors, il y a un trou qui est là. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il est louche. Donc, on va aller voir le trou louche. Ouais. On s'amuse comme on peut pendant le confinement, hein.
J'essaie de faire genre je suis le mouvement. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Oui ! Non, il faudrait que je m'arrête là ! Il faut que je m'arrête à 15. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? Hey, c'est reparti. Bon, je vais pas le faire à chaque fois parce que... Mais je pense qu'il y a plusieurs endroits où il va falloir que je m'arrête. Au lieu de faire la couillonne, il faut que je regarde, la vue. Il me manque un truc. On va sortir. Il me manque clairement un indice. On va continuer d'explorer. Parce que si je m'arrête avant, je suis trop loin. Et si je m'arrête après, ça va pas. Bon. On va explorer. Mais je me souviens avoir galéré dans le parc. Personne ici, toc toc. Ben non, il y a personne. C'est radioactif, ma brave dame. Ok. C'est bien, elle fait tout le temps toute seule. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Quelqu'un qui voulait pas qu'on... Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Elle va revenir ici toute seule comme une grande.
Comme ça, moi, je peux me vautrer un peu dans mon fauteuil. Et surtout, les mecs, m'aidez pas, hein, les gens. Moi, je suis là en train de me casser le cul pour qu'ils passent avec leurs autruches. Ah là là, je te jure. Oh. Totalement obstrué. Le parc doit être derrière. Zone contaminée. Tout Baranour est irradié. La caravane ne pourra jamais passer par là. C'est bien quand même la radiation, ça s'arrête à la frontière. À quel moment il y a un mec qui s'est dit que faire un parc d'attractions sur le thème des poulpes, ça allait être fun. Route à parcourir encore si long. Alors, non, journal. Cinq fois 0,8, 6, ça doit être quoi? Ma calculatrice de mon téléphone. 35 fois 0,1, ça fait 21. Mais non, gourdasse, bourgeoise new-yorkaise. Non mais... J'ai encore pas regardé comment... Je vais noter sur un papier, ici. Regardez comment brancher manette Xbox... sur PC. Voilà. Comme ça, demain, j'essaierai d'y penser. Tu veux pas prendre la deuxième barre, là ?
Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Rien, j'ai dû oublier quelque chose. Ouais, je suis obligée de le remonter jusqu'en plein. Félicite à la caméra. Donna, elle aime pas qu'on la porte, ça me fait tout bizarre. Comme si je te torturais. Hein. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. On va retourner dans la pièce. Il me manque quelque chose. Alors moi, j'aurais comme idée qu'il me manque une barre, mais bon. C'est reparti pour les lives où on tourne en rond. Oh, mais je me souviens, j'avais galéré sur Baranour. On s'arrête ici. 25, on s'arrête là. 25 plus 15, ça fait 40. 40, il est là. On s'arrête là. On va s'arrêter là, ça sert à rien.
Est-ce qu'il y aura une autre voiture ici? Ça va, mes doudous? Eh oui, t'as encore vu que j'ai fait m'amuser avec l'ombre, hein? Hein? Ma brave fille. Tu te rends compte que Donna, en début d'année, pour toi, je me suis lacéré la main. Je me suis ouvert la main. Non, non, non! Gourdasse, bourgeoise new-yorkaise! Pardon. Non, mais... What the fuck? Putain, mais ça, tu te dis, les mecs qui ont fait le jeu, ils y ont pas joué avant. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Inventaire. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. On essaye un autre truc. Parce que du coup, j'ai le wagon 2 qui est à l'arrêt. Là, je suis dans le 3, mais il y en a un qui est marqué 1. Donc, il est où? Pardon. Sortie d'écran. Parce que je pense que je sais surtout pas déchiffrer ce message.
s'il y a quelque chose qui manque là et que je verrai pas. Je prends cette deuxième tige. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Ah là là, c'est reparti pour un live de l'enfer, de je tourne en rond. Non, mais je me souviens tellement comment j'avais galéré dans Baranour. Et puis je suis mal installée comme d'habitude. Il va vraiment que je me rachète une bonne chaise de bureau parce que ça devient infernal de s'asseoir sur ma chaise. Hein. Ça devient vraiment trop dur. J'ai dit, regarde là. Alors je pense que le rouge, ça correspond au 1. Donc ça c'est... Là c'est 5. 10. Ben ouais, pour m'arrêter là, ouais, mais 40, 40, c'est là. Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Paitra. Transhumance doit reprendre au plus vite. Fais vite, Kate Walker. Je doute que nos poursuivants nous laissent beaucoup de répit. Bah oui, mais bon, aidez-moi aussi! J'ai pété un câble. Baranour, cet enfer. Au sens littéral comme au sens figuré. Il me manque quelque chose pour résoudre cette énigme. Mais quoi? Moi, j'aurais dit, il faut mettre deux barres. Tu mets une barre, tu remontes. Quand ça s'arrête, tu re-remontes et tu repars. Mais on peut pas.
J'ai quoi dans mon tas? Le cœur de Scar, le couteau qui sert à rien, l'écharpe. Rien. Les lunettes qui servent à rien. La clé de serrage pour Albert qui fait rien. Et la tige. Oh là là. Baranour, c'est enfer. Mais monte, non! Monte! Je codais avec les pieds! Non, je ne cherche pas la solution. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? C'est peut-être le truc au pied, genre un levier et un autre. Ben ouais, mais j'ai pas trouvé. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Et je vais... Faut faire un compteur de je me trompe de bouton, hein, parce que c'est quand même... Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Les radiations sont partout. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Si je retire la tige, le ressort du wagonnet sera libéré et je devrais pouvoir repartir.
profiter pour faire des tours gratuits de manège. Rien d'intéressant ici. C'est là, normalement, on va aller trop loin. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Il y a un bug. Oh non, sérieux le jeu? Oh non, mais t'es sérieux? Mais non! Mais j'y crois pas! Je comprends pas. Avec la PS3, j'ai eu aucun problème. Les déplacements, il n'y avait pas de soucis. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Quand ce genre de choses m'arrive, je tuerai la mer entière, même les dauphins. Zone contaminée. Transhumance doit reprendre au plus vite. Ouais, mais aidez-moi au lieu de glander comme des gros nazes, la vache. «
Miss Catwalk a vu homme métal sur plage? Oui. Par contre, moi, c'est pas homme métal que je veux voir, hein. Autruche peuvent plus sortir. Mais non, tu ne peux pas. Je peux pas sortir. Puis il y a des bébés morts. Mais c'est quoi ce jeu? Regardez-moi ça, il y a des peluches de bébés morts. J'en sais rien, quoi. Et après, on me fait des remarques parce qu'en chantier de fouilles, je pose toujours cette superbe question posée par des archéologues. Comment met-on un bébé mort dans une amphore? Bon sang! La glauque, ouais. C'est bien ce que je pensais. Pas de clé d'activation. C'est bien ce que je pensais. Pas de clé d'activation. Il y en a 50 000 ici, mais c'est pas grave. Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates. Ça, c'est une partie de la solution. +25. Je suis pas encore teubé, ça fait 40. Mais 40, ça nous arrête là. Oh non, j'y crois pas, j'ai même pas trouvé la notice encore. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Si je remets sur 5, est-ce que je On vais revoir le bug ? On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel ? On retente mon truc là. Parce que visiblement ça a bugué tout à l'heure.
Ah, ça me frustrerait de terminer la vidéo sur un échec. Cette aiguille doit être reliée au ressort du mécanisme. Regardez-moi ça! Je suis pas au bord. J'ai bien fait. Donc, on va tenter... ici... bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Allez, croisons les doigts que ça soit, je sois sur le bon chemin. Rien d'intéressant ici. Oui. Ça devient lassant les tours de manège à la fin. Vous le sentez là, mon désespoir? Je voulais m'arrêter là. Parti, on recommence. Allez, un partir tout gratuit. 3 jours plus tard, après être mort de vieillesse, complètement irradié. Allez, on va croiser les doigts que ça soit là. Sinon, encore des tours gratuits. Ouais, non, je peux pas. Hein. J'ai bien essayé. Hein. En fait, moi, ce que je pensais, c'est que voilà, on mettait la barre, on avançait jusqu'à la barre, on remontait, puis on repartait en fait. Et voilà. C'est pour ça qu'il avait marqué 25 plus 15. C'est d'abord t'avances jusqu'à 15, puis après tu remontes 25, voilà, des choses comme ça. Mais non. Allez, on y croit! On y croit! On y croit!
s'envole. Dis pas que c'est pas dans ce pipe de trou. Regarde un peu la route, c'est plus sympa pour les gens qui vont regarder le replay après. Oh, vous avez vu, il y a Spoutnik. C'est comme toutes les bonnes choses. Moins on en fait, mieux c'est. Mais... comment est-ce que je peux m'arrêter si loin ? On part de plus loin. Comment ça se fait qu'on s'arrête pas là où il faut? C'est ça que je cale pas. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Ce compteur semble Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Ça peut m'aider, ça.
25, c'est trop loin. Ça, 21, ça marche pas. 15, ça marche pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on part de plus loin. Donc, en théorie, la solution parle d'une deuxième tige. Ah ben... Ah! Le problème, c'est qu'il faut la trouver, cette deuxième tige. Avant de monter dedans. La mienne, je l'ai trouvée dans le wagon. Je l'ai trouvée dans le wagon, la mienne. En tout cas, c'est gentil, mon petit renard, d'avoir gardé. Je savais bien qu'il y avait... Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Donc il y a une autre à trouver en explorant à proximité de l'entrée du parc. Quand on est dans le parc ou côté plage? Ça m'énerve. Le rouge à lèvres, c'est fini maintenant, c'est le gloss. Ça m'énerve. Toutes ces filles qui écoutent trop fort la musique. Ça m'énerve. Et entrer dans le parc, donc ça doit être dans le parc. Là! Je vais tuer quelqu'un! Un chat! Ils sont tous trop loin. Je vais tuer un chat! C'est bien d'avoir des peluches. Alors, où est-ce qu'elle est, cette 3 points de suspension de barre? Personne ici, toc toc. Toc toc Tsugar! Mais aidez-moi! Trouvez-moi une tige! Et en plus avec ce système de déplacement infâme!
c'est l'enfer! Peut-être un parasol ou un grillage. Le parc doit être derrière. Totalement obstrué. Bah ouais, mais j'ai regardé les parasols. Quand je m'approche, il n'y a rien qui se passe, donc... En plus avec ce... Mais... Contribue pour en repartir. Comme moi à retrouver bâton. Baitra. Là, c'est un des wagons qui est voyage tombé. Voyage trop long, si interrompu si souvent. Si vous m'aidiez aussi, les nazes. Près d'un banc à proximité d'une fusée rouge. Bon, déjà on va chercher où il y a des bancs. Derrière le parc aux balançoires. Un banc. Route à parcourir encore si longue. Tu vas, Kate Walker.
Attends. Tu vois le gros truc bleu à gauche? Ça m'aide pas un truc bleu. Il y a une fusée rouge. C'est ça à gauche. Il y a du temps de décalage. Non, t'es reparti. Là? Derrière le truc moche bleu. Tu fais de la combustion spontanée, tu réchauffes mon petit cœur. Ça, c'était une déclaration d'amour bien pourrie. Attends, je prends mon Xanax. Alors, maintenant, il va falloir comment trouver les deux barres. Je savais bien qu'il y avait deux barres. C'est terrible quand même. Alors. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Alors c'était marqué sur le plan. Dans la. C'était marqué 25. Et 15. On va essayer ça pour voir ce que ça donne. Mais je savais tellement qu'il fallait deux barres. C'était tellement logique. Et pourtant, où la barre où j'ai trouvé la deuxième barre, j'y étais allée, hein. J'y étais allée. Bien mener ce passage. Descends. Alléluia. 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 Mouah.
Moi, ma, je vous aime. Station de métro. C'était Byzance ici, dis donc. Sauvegarde. Bah, le problème, c'est que les sauvegardes, elles sont automatiques, donc je peux pas sauvegarder. C'est moi ou il y a des fringues qui pendouillent? Voilà, doucement. Charmant. Il y a quelqu'un qui habite ici. La zone est effectivement saine. Encore fraîche. À Andrei, mon fier soldat. Des champignons. Éloignez Mary! Éloignez Mary! Effectivement, il y a quelqu'un qui habite ici. Mon Andrei. Moi, je suis comme ça, je pique les albums photos. Il a l'air charmant, son Andrei, quand même. Première dauphine du prix de beauté 1979 de l'oblast de Naodotsk. Rien que ça. Une vraie chambre de midinette. Hein? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous fichez ici? Oh, bonjour. Excusez-moi. Alors c'est donc vous, la gourgandine, qui a utilisé mon wagonnet? J'ai dû escalader le rail avec mon gibier sur le dos à cause de vous. Désolée, madame. Avec la tribu que j'accompagne, nous essayons de quitter ce parc, et j'ai cru que ce vieux wagonnet abandonné pourrait m'y aider. Je ne pensais pas vous faire du tort. Vous auriez quand même pu vous renseigner. Il n'est pas abandonné pour tout le monde. Manquez plus que ça. Voilà, mon tout beau. Maman va te remettre sur pied en rien de temps. Allez, une clé voir le bague. À quoi sert cette clé ? À activer les automates du parc. Sans un bon coup de clé de temps en temps, les malheureux y tournent neurasthéniques, voire même méchants. Et puis ils tombent en panne. Voilà tout. Écoutez, je ne voudrais pas que nous partions du mauvais pied toutes les deux. Laissez-moi déjà me présenter. Je m'appelle Kate Walker. J'accompagne la tribu Yukol dans sa migration vers les terres sacrées. Et vous êtes ?
Oh, une américaine? Ouais, ouais, je parierais bien. Allons donc, voyez-vous ça? Une américaine. Moi, c'est le sergent-chef Katerina Viktorovna Drozdolova. Médaillée d'or de lancer de poids au JO de Moscou. Et veuve du caporal Andrei Grégorovitch Drozdolov, lui-même vétéran artilleur émérite et champion de patinage artistique. Ravie de vous rencontrer, Katerina. Il semble que vous pourriez être pour moi d'une aide providentielle. Accepteriez-vous de me prêter votre étrange clé? J'en ai besoin pour réparer un automate sans le concours de qui, je le crains, nous ne pourrons pas reprendre notre route. Vous avez beau être bien poli et parler comme dans un livre, ma petite demoiselle. On peut dire que vous manquez pas de toupet. Cette clé m'est sacrément précieuse. Et pour ce que j'en sais, votre bande de gnomes et vous-même pourriez n'être qu'une bande de pillards mal intentionnés. Il y en a pas mal qui ont traîné ici, avec dans l'idée de ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Ils venaient chercher la bonne aubaine malgré les risques d'irradiation. Je vous ai raccompagné cette racaille à coups de chevrotine, vite fait bien fait. J'aime cette meuf. C'est donc vous, la Katerina Drozdolova, la première dauphine du prix de beauté de l'oblast de Naodotsk en 1979? Eh oui, c'était bien moi. C'était même à cette occasion que j'ai rencontré mon Andrei. Pour être franche, et j'imaginais que vous autres, à l'ouest, vous me connaissiez plutôt pour mes performances athlétiques. Maintenant que je sais qui vous êtes, je n'ose plus insister pour votre clé. Je ne veux pas déranger plus longtemps une personnalité de votre calibre. Oh, allez, allez, pas de chichi entre femmes de goût. Expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de ma clé et je verrai ce que je peux faire pour vous. Je dois remettre en état un automate du parc d'attractions pour pouvoir hisser notre bateau plus haut sur la plage et ainsi libérer le troupeau d'autruches qui est confiné à l'intérieur des cales. Les Yukol et leurs troupeaux doivent poursuivre leur transhumance sacrée au plus vite. D'autant que, si nous nous attardons ici, nous risquons bien d'être rattrapés et arrêtés par la milice qui nous poursuit. Si je dis oui, vous me promettez de me la ramener dès que vous aurez terminé? Bien sûr. Je ne trahirai pas la confiance de la grande Katerina Drozdolova. Alors, c'est d'accord. Prenez-en soin. Ça fait 20 ans qu'elle me permet de garder en état mon sac à puce mécanique. Oui. 20 ans? Je croyais que tous les survivants avaient fui après la catastrophe. Mais hélas, c'était déjà trop tard pour lui. Votre mari a été irradié? On a été tous les deux. Mais moi, ça m'a rien fait. C'est comme ma nature qui fait ça. Ou alors, faut croire que j'ai été immunisée par toutes les saloperies qu'on me donnait pendant les jeux pour décrocher une breloque. Et vous n'avez jamais cherché à rejoindre Valsambor depuis? Non. Il paraît que tous les survivants irradiés sont envoyés dans cette clinique dont on ne ressort jamais. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai mon petit chez-moi. Je suis près de mon Andriyusha, j'ai mon chien, et puis du gibier à volonté. Une dernière chose avant que je parte. Vous disiez que l'air du métro est resté sain. Est-ce qu'il permet de sortir de la ville? Oui. Vous avez qu'à suivre les rails juste derrière chez moi et vous pourrez quitter Baranour par la station du stade Olympia, en bout de ligne. C'est le terminus. Non seulement vous éviterez les radiations, mais en plus vous aurez l'électricité. C'est un des seuls circuits de la ville qu'a pas sauté. Faudra juste que vous soyez prudent. Des canalisations ont lâché et l'eau du lac a inondé certaines galeries. Merci, Katerina, pour tout. Les jubotes. Bien sûr que je vais lui ramener la clé. Je sais pas si vous avez vu l'espèce de bestiau qu'elle a ramené sur son dos, la meuf, mais... Mais regardez un peu ce que la meuf a ramené sur son dos. Et elle me demande de lui ramener la clé. Évidemment que je vais lui ramener sa clé. Elle fait du lancer de poids, et vu le bestiau, je prends pas le risque de me la foutre à dos, hein. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir être raisonnable. Je peux aller de ce côté-là?
Ah, oui, il y a quelque chose par là. Ah, c'est l'endroit. Le parc doit être derrière. C'est l'endroit où ça s'est effondré. Bon, on va déjà essayer d'aller réveiller Oscar. Allez, je déco, Baxiane. Eh ben, gros merci à toi. Grâce à toi, on peut avancer. Passe une bonne nuit. Bon courage pour les derniers jours avant les vacances. Et prends soin de toi. Et salutations à toute ta famille. Bisous. Alors, on ressort. Quelle heure il est? Ouais, moi j'ai envie de jouer encore un peu. Bisous. J'ai envie de jouer encore un peu. Allez hop. Allez hop. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Quelles sont les nouvelles, Kate Walker? On dirait Miss Kate Walker avoir tant de s'amuser. Ne pas frapper les gens. Ne pas frapper les gens. Ne pas frapper les gens. Je n'étais pas en train de m'amuser, Ayahuasca, mais de trouver une solution pour aider la caravane à s'en aller d'ici sans dommage. Ne te fâche pas, Kate Walker. Cet endroit maudit rend les Yukol un peu nerveux. Qu'as-tu découvert d'intéressant? Nous allons passer par la ligne du métro. L'atmosphère est saine et la station en bout de ligne nous permettra de quitter la ville tout en restant sur l'itinéraire de la transhumance. Où débouche cette station? Une sorte de complexe sportif, Olympe ou quelque chose comme ça. Olympia? Terre de martyrs. C'est du beau travail, Kate Walker. Je ne sais pas ce que les Yukol feraient sans ton aide. Avant tout, il faut tracter le cristal sur la plage. Comment pouvons-nous t'aider, Kate Walker? Évidemment, vos grosses autruches ne pourront pas utiliser ce wagonnet pour atteindre la ligne de métro. Les Yukol pourraient déblayer les gravats qui bouchent l'entrée de la station pendant que je m'occupe du cristal? Vais trouver volontaire. À plus tard, Miss Kate Walker. Ouais, quand même. Filez-moi un coup de main au bout d'un moment. Olympia. Ça n'a pas l'air de plaire à Ayahuasca. En vérité, on m'a raconté que la précédente transhumance y a vécu de sales moments. Une tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles. Mais tu as suffisamment à faire pour le moment. On parlera de tout ça plus tard. Une fois que nous aurons quitté Baranoa, quelle sera la prochaine étape? La rivière Balatom. Une fois que nous aurons franchi le pont sacré qui l'enjambe, nous aurons passé la douane et nous serons au Yakastan. Nos poursuivants ne seront plus en mesure de nous nuire là-bas. Tu as des nouvelles des Yukol encore enfermés dans le cristal? Tout le monde va bien, même si les autruches commencent à s'impatienter. Il va vite falloir les faire sortir, Kate Walker. J'y vais, Kirk. Je dois aller retrouver un vieil ami. Alors, on va s'occuper du Oscar. Ouais, moi, une meuf comme Katerina, je me la mets pas à dos. Même si c'est... S'il faut faire le lèche-boule. Pour une lanceuse de poids, ça serait cocasse. Oscar? Oscar?
Dieu! Oh! Je n'arrive pas à y croire. Oh là. Kate Walker. Bonjour, Kate Walker. Alors ça y est, nous pouvons repartir? Vous avez remonté le ressort du train, n'est-ce pas? Et Monsieur Hans Vorarlberg, est-il bien à bord? Il n'y a plus de train, Oscar. Et il n'y a plus d'Hans Vorarlberg. Je vous demande pardon. Vous-même, vous étiez censé être mort. J'ai installé votre cœur sur un modèle analogue au vôtre. Et cela semble avoir marché. C'est bon de vous revoir, Oscar. Voilà. Ça va aller, Oscar? Je suppose que oui, Kate Walker. Je n'ai pas, à ma connaissance, été programmé pour les états d'âme. J'imagine. Mais allez savoir, Oscar. Vous étiez un sujet très doué. Ce nouveau corps manque passablement d'entretien. Il souffre de rouille arthrosique à toutes les jointures. Oscar, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Kate Walker. Je suis conçu pour ça. J'accompagne les Yukol dans leur grand voyage. Vous savez, ils m'ont recueillie mourante le long d'un fleuve quelque part à l'ouest de Sibéria. Ce peuple accompagne la transhumance des autruches des neiges vers les terres sacrées, où celles-ci se reproduisent. Nous sommes poursuivis par des miliciens passablement fanatiques qui se sont donnés pour mission de renvoyer les Yukol chez eux. Quant à moi, ils veulent me livrer aux autorités américaines, rien de moins. On m'accuse de toutes sortes de malversations. Yukol, peuple primitif nomade du Grand Nord, vivant en symbiose avec les grands troupeaux de Struthionibis, communément appelés autruches des neiges. C'est ça. En résumé. Kate Walker, américaine déviante, intellectuellement et politiquement instable, influencée par les circonstances et les rencontres, malgré une rigueur morale incontestable. Je suppose que c'est bien ça, en résumé. Bien. En quoi puis-je vous être utile, Kate Walker? Nous sommes coincés ici, dans cette zone irradiée, et il nous faudrait partir au plus vite pour échapper aux gens qui nous poursuivent. Mais les Yukol et leurs troupeaux se retrouvent prisonniers du bateau qui les a amenés jusqu'à cette plage empoisonnée. Il faudrait pouvoir tracter le cristal pour le désensabler et ainsi libérer la porte arrière pour que les autruches puissent sortir. Je pense qu'un véhicule sur le ponton là-bas pourrait nous aider dans cette entreprise. Mais seul un automate semble en mesure de pouvoir le piloter. Je vous rendrai volontiers ce service, pour peu que ce vieux corps éreinté fasse encore l'affaire. On fera avec, Oscar. Faites-moi confiance. Bien, alors je vais m'efforcer de vous aider, Kate Walker. T'inquiète pas, Oscar. Mais Kate Walker, mes vêtements. Je n'ai aucun vêtement. T'inquiète pas, Oscar. J'aime quand tu es à poil. Oscar, les Yukol et moi-même, on en a vu d'autres. Croyez-moi, on s'en remettra. Non, 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 non et non, Kate Walker. Il est hors de question que je déambule dans le plus simple appareil. Mon intimité mécanique est protégée par des brevets industriels qui assurent la pérennité des manufactures Vorarlberg. J'ai besoin de vêtements, voilà tout. Oscar, s'il vous plaît. N'insistez pas, Kate Walker. Je ne bougerai pas d'ici sans une tenue décente. Très bien, très bien. Je vais vous trouver des vêtements. Je peux lui casser la gueule? Oh putain, mais... Oscar! Tu es un automate, bon sang! Je vais aller voir dans le cristal, parce que... Non, peut-être que... Peut-être que notre lanceuse de poids russe... aura des choses. Mais oh là là, Oscar, on s'en fout que tu te balades en poil, t'es un automate, t'as même pas d'organes. T'as pas été conçu pour ça. Tu t'appelles pas Monsieur Data, toi. Non, non, c'est par là. Mais...
Mais vous avez vu cette espèce de truc vicieux, là? La vache, hein? Mais où sont passés les Yukol? Ça avance, mais ce n'est pas encore suffisant pour faire passer les autruches. Non, par contre, moi, ça va me permettre d'aller voir ma copine. De lui rendre la clé, déjà. Avant qu'elle me casse la gueule. Je ne le peux, Magenia. Notre amour est impossible. Oh, Piotr, pourquoi? Pourquoi la vie s'acharne d'elle à nous séparer ainsi? Ce n'est pas la vie qui t'a blâmé, ma colombe. Ce sont tous les amis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je refuse que tu sois marié de force à Tatiana. T'imaginer avec cette créature. Oh, j'en mourrai. Comme je voulais d'être unie à Yuri. Ça, histoire très très triste, Miss Ketwork. Piotr et Genia smush love. Mes familles les ont promis à Tatiana et Yuri pour toucher héritage du grand-oncle Joseph. Vous croyez vraiment que c'est le moment de suivre des feuilletons à l'eau de rose? Il faut finir de déblayer l'entrée avant l'arrivée d'Olga et du colonel. Ça, ça, Yukol retourne creuser. Il n'y a plus rien à faire, ma Genia. Accepter notre sort et tâcher de mener des existences vertueuses. Nous ne sommes pas obligés de nous résigner. Peut-être que... Peut-être que s'il arrivait quelque chose à Tatiana et Yuri. Un accident à la centrale, par exemple. Genia, tu n'y penses pas? Et voici la fin de notre épisode exclusif, les réacteurs de la passion. Non mais... Ah les gens! Katerina? Ah, encore vous? Voilà votre clé. Merci encore. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des vêtements pour Oscar, mon ami, automate. Hein? Vous savez, pour un automate, il est très pudique. M'a pas l'air très clair votre histoire. Mais enfin, vous pouvez regarder là-bas dans l'armoire où j'ai mis les choses d'André. Voilà pour l'ouvrir. Mais n'en prenez pas plus que nécessaire, hein? Je suis quand même attachée à tout ça. C'est des souvenirs. Que de récompenses olympiques. Elle devait envoyer du lourd, la meuf, hein? Mais non! Charmant. Faut bien se vêtir, hein? Elle m'a donné une clé, du coup. Ouais. Kate Walker! Qu'est-ce que tu fous ici? Eh bien, Oscar, vous avez finalement succombé aux sirènes du naturisme? Plus vite je serai décemment habillée, mieux je me porterai. En venant vous rejoindre,
J'ai croisé une bande de nabous hirsutes et très mal polis. Je vous épargne les colibets dont j'ai été la victime. Nanouk Metal ! Regardez plutôt dans cette armoire. Les vêtements devraient être à votre taille. Nanouk Metal ! Comment me trouvez-vous, Kate Walker ? Très saillant, Oscar. Vous êtes parfait. Merci, Kate Walker. Maintenant, dites-moi plus sur ce chariot que vous voulez que je conduise. Il se trouve sur la jetée, à côté de notre bateau, le cristal. Eh bien, dans ce cas, nous n'aurons qu'à nous retrouver là-bas, Kate Walker. Parfait. À tout à l'heure, Oscar. Je peux la remercier, ma grosse camarade. Soyez prudent dans le métro. L'eau du lac a envahi certains tunnels. Bienvenue pour le dernier acte de notre épisode exclusif des réacteurs de la passion. Votre feuilleton qui mêle amour, cupidité et plutonium. Aujourd'hui, Piotr va se confronter à son meilleur ami Yuri. Le motif de leur affrontement, le cœur de la belle Jean. Promise à l'un mais follement éprise de l'autre. Ici, l'issue de leur opposition est incertaine. Une chose est sûre, il va y avoir de la testostérone et de la passion. Aujourd'hui, c'est notre antenne. C'est merveilleux. Ah, en même temps. La pauvre, notre pauvre lanceuse de poids, vu où elle vit, un peu de bons sentiments. Même moi, ça se trouve, même moi, j'irai pas non dans ces circonstances. Un peu de légèreté, cucugnon, la praline. Kirk ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je venais. Ôte-moi d'un doute. Ce ne sont quand même pas les autres Yukol qui t'ont parlé du feuilleton chez Katerina ? Non, non. Et évidemment, tu n'es pas venu là pour essayer de le suivre à ton tour. Un grand guide spirituel comme toi n'est pas amateur de ce genre de niaiserie. Bien sûr que non, Kate Walker, je... Et donc, tu t'apprêtais à retourner avec la tribu pour t'assurer que tout va bien pour elle ? C'est exactement ça, oui. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. À plus tard, Kate Walker. Des gosses, c'est des gosses. Ça avance, mais ce n'est pas encore suffisant pour faire passer les autruches. Toujours creusé, pas juste. Des gosses. C'est quand même un peu limite parce que quand même infantiliser quand même des populations autochtones comme ça, semi-nomades déjà qui sont petits. Je pense pas qu'il y ait eu de réelles mauvaises intentions chez Benoît Sokal et les auteurs, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est un peu limite quand même les pauvres. Bon, on va essayer de faire sortir les autruches. Et on s'arrêtera. Ça va, toi, t'es tranquille, mon petit Yukol ? Ah, Kate Walker. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Ça valait bien la peine que je vous trouve des vêtements. Tout est question de nuances et de circonstances, Kate Walker. Bien sûr.
Suis-je bête? Il y a une différence entre déambuler dans le plus simple appareil et devoir exposer, pour les besoins de la cause, la musculature mécanique d'un torse de travailleur de fer. Je suis à vos ordres, Kate Walker. Je vais avoir besoin que vous utilisiez ce chariot pour tracter le cristal sur la plage. Vous vous en sentez capable? J'ai été le conducteur du train Vorarlberg, Kate Walker. Pour moi, piloter ce tracteur ne pose aucune difficulté. Je vais simplement avoir besoin d'un peu d'aide pour mener à bien cette mission. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, vous devez relier le cristal à ce tracteur. D'accord, Oscar. Et puis ensuite? Je ne pourrai rien faire tant que ce chariot ne sera pas alimenté en électricité. Entendu. Je vais essayer de remettre le courant dans le parc, alors. Prenez garde, Kate Walker. Les êtres vivants risquent de graves sévices corporels en cas de manipulation inappropriée de composants électriques. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler, Oscar. Alors, ça sauvegarde et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que s'il faut qu'on relie le cristal, alors même si je pense qu'il faut juste que j'aille voir mes petits loucoles de l'autre côté pour faire ça. Remettre en marche l'électricité, j'ai aucune idée de ce qu'il va falloir faire. Et j'avoue, là, je suis pas persuadée d'avoir trop envie de faire ça là maintenant. C'est déjà 11h30. Hier, on est allé jusqu'à minuit, mais bon, là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, la prochaine fois, il faudra faire sortir les autruches. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Si vous regardez le replay, je vous remercie aussi. J'espère que sur YouTube, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis probablement à demain. Pour d'autres lives, peut-être pas Siberia, parce que demain, c'est mercredi, c'est Meilleur Pâtissier. Donc à 21h, il n'y aura pas Siberia, il y a Meilleur Pâtissier. Et je vous dis à plus, prenez soin de vous, bonne nuit, et à bientôt camarades. Salut !